Coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en toute simplicité. Voilà, quand je vais acheter mes fruits et légumes, j'aime bien passer par deux magasins, Mangeons Frais ici, et j'ai fait un petit tour aussi chez Grand Frais. Voilà, ensuite on va se retrouver à la maison pour le retour de course, à savoir chez Mangeons Frais. Très souvent, ils sont collés avec la boulangerie Marie Blachère et vous pouvez trouver toute l'année de la butternut. Voilà, parce que la dernière fois, j'en avais mis dans le couscous. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, on va faire du couscous parce que c'était vendredi et qu'on en avait grave envie. De retour à la maison, voilà, j'ai acheté ce qu'il faut là pour la semaine, ou on va dire pour les 10 jours, 2 semaines, pour varier un petit peu. J'ai pris des poivrons, je préfère les longs comme ça, les cornes de bœuf, que vous savez, les petits et gros. J'ai pris des tomates, j'ai trouvé des allongées. Ensuite, des piments, haricots pour faire une petite salade. Des tomates cerises à grand frais. On est passé aussi à grand frais. J'ai pris des carottes râpées. J'ai pris à grand frais aussi des aubergines parce que c'est moins cher chez eux. Et des courgettes. De la menthe, bien sûr. Des oignons nouveaux. J'aime bien. Des oignons rouges aussi. C'est juste excellent. Des radis rouges comme ça. Champignons. De la pommes de terre, oh zut, je me rappelle plus quand, patates douces, voilà, des petits navets, ils sont petits, ouais, je vais faire un petit peu de couscous, vraiment pas beaucoup, Inch'Allah, comme ça je peux faire aussi, comment il s'appelle, tu sais avec le ben, avec le raib qu'on a, ça y cook, Inch'Allah, surtout qu'il fait chaud maintenant, il fait bon là, ce week-end là, c'est, on va pas se plaindre. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. De l'ail violet. Oui. Non, t'inquiète pas, il y a la clim. J'ai envie de le harira, mais quand un soir, il fera plus frais. Pas maintenant. De la salade, de la batavia, bien sûr, des herbes, ça c'est obligé. Il y a beaucoup de terre. Je vais devoir bien laver avec du vinaigre aussi. Des tomates comme ceci, alors, c'est juste excellent. Ouais, c'est super bon. J'aime bien. En fait, ce que je fais des petites tartines avec de la feta, de l'huile d'olive, du thym, etc. Et je rajoute des petites tomates coupées en fines tranches. Et c'est juste excellent. Franchement, c'est super bon. Au lieu de manger du sucré comme ça. On va passer maintenant aux fruits et aux légumes. Je suis. Aux fruits. Je viens de passer les légumes. Je suis assise, ouais, j'ai un petit coup de mou, là je tremble un petit peu, pardon, peut-être que vous devez le ressentir aussi au visionnage, je suis vraiment désolée, et de la menthe. Par contre, il y a un type de menthe que j'aime pas du tout, et je crois que c'est ça. Ouais, c'est lui. Oui, il sent pas bon, il sent pas la menthe. Je sais pas pourquoi tu l'as pris, t'aurais pas dû prendre. Parce que lui, il est pas harash, il est pas... Non, mais lui, il sent plus l'oseille, il sent les autres herbes, là.
كتبغي البلدي موا جيم البلدي جيم الحرش البوتي كوم سا داك سي ان رومي سي بحال نو مي ميم دي فوا عادي يا لوي اي سون سوبر بون لا مونت Lui, lui, je n'aime pas. Dans le thé à la menthe, il est vraiment, vraiment pas bon. Bah pourquoi tu l'as pris? T'aurais pas dû. Non, mais même des fois, il y en a comme ça. Là, franchement, t'aurais pas dû. Bon, c'est fait, c'est fait. Mais j'aime pas l'odeur. Celui-ci, encore peut-être pour un mojito, ouais. Non, là, c'est le mendiroche, fait le wolf. Non, mais même. Regarde, il n'est pas infusé et pourtant il sent vraiment pas bon. Oh, un aman charbon, sinon je ne le boirai pas. Au niveau des fruits, on a fait vraiment le plein parce qu'on aime trop, trop ça. Et les enfants, bah, j'aime bien leur donner des fruits quand ils ont faim. Et bah, ils ont toujours envie de fruits, quoi. Ils sont comme moi. Et on adore les fruits. Franchement, c'est un truc... qu'on aime beaucoup, un peu moins Adem, je trouve quand même. Hein. Adem, ouais, les filles, elles sont plus comme, elles sont vraiment comme moi, des pêches plates, des poires, 1,30€, je crois, 1,39€, je sais plus, un ananas, du melon, Galia, ça c'est le meilleur. Par contre, il est petit, ouais, il y en a pas beaucoup cette année des melons comme ça. Il y a le Charentais, ouais, il y en a, c'est la première fois, je crois, que tu le trouves, non, à grands frais. Des pêches, il y avait des jaunes et des blanches. Moi, j'aime pas trop les blanches. Je préfère les jaunes, je trouve qu'elles sont plus sucrées. Des abricots. Je pense que je vais faire une petite tarte. Des nectarines. Des prunes jaunes. Là, ah, j'ai un citron. Non, c'était là-bas. Pourquoi t'as mis, t'as mis un citron? J'en avais déjà les citrons, j'en avais pas pris. Les prunes, voilà, deux sortes. Regardez celle-là. Moi, je préfère quand c'est petit. Pour moi, c'est plus, plus sucré. Moi, je sais pas mentir. Non, j'aime pas ça. Quoi. Oui, c'était pour ça, me faire genre. Non, j'avais déjà du citron. Deux avocats. Du raisin, malgré qu'il est un peu cher, mais bon, on en voulait. Je préfère prendre une petite quantité et que ça soit de belle qualité et malgré le prix. Et me faire plaisir. Voilà. Bien laver, m'asseoir, manger ça, j'aime trop. Le soir, oh, je mange beaucoup de fruits. Pourtant, ils disent que c'est pas bon, il faut pas manger trop parce que le fruit. Non, mais tu mets du temps. Attendez, 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 stop. On est vendredi. On est le combien? On est le 11 août. Lui, il va venir le 20 et va me dire. Ils sont où les fruits? Mais non, Andy, il faut manger sur place, 2-3 jours après peut-être. Mais viens pas 10 jours après, viens me dire j'ai envie de fruits. Bah, repars au magasin et tu t'achètes encore des fruits. Pour les filles, mes filles, elles font que ça. Et moi aussi. Et quand j'ai faim, et ben, au lieu de grignoter n'importe quoi, et ben, je vais laver des fruits parce que j'aime pas laver avant. Je trouve que quand tu laves, même si tu mets au frigo ou tu bosses comme ça, que ce soit à température ambiante ou au frigo, ça périme très très vite. Oui, tu voulais nous dire quoi pour les filles? Il y a une promotion, les filles à grands frais, franchement, il me chie. Ouais, à côté, c'est à grands frais. 1,99€. 5€ quoi. Bah, 5€ déjà, c'est. Des bananes. Tu te rappelles la dernière fois, je suis à Ouais, même 14, je crois. Et des pommes. Ça, j'avais déjà. Voilà. Faire le plein. Et puis c'est tout. Et puis c'est bien. On sait. Ah oui, j'ai pris. Regarde, Rihanna m'a mis quoi. Des oignons et des pommes de terre. Mais ça, c'est obligatoire. Ça, c'est la base. Hein, c'est vrai. Jeanne, Rihanna, il faut que je remette dans leur petite couronne, c'est de leur chambre. La base de la base, oignons, pommes de terre, ail et tomates. Ouais, j'aime bien les tomates, même en toute saison, j'aime bien acheter. Yalla, ben on va ranger tout ça. Ouais. Putain, je suis motivée, hein, un truc de malade. Bon, je tremble un petit peu, je suis pas très bien. On va s'aider avec mon mari. J'ai les petits bacs comme ça, j'aime bien. Dans mon frigo, ça va bien. Pour le bac de légumes. Je traduis pour celles qui ne comprennent pas. Il dit au monsieur, à tous les messieurs, aidez vos femmes. C'est pas honte, hein.
Bien sûr que non, c'est pas une honte. Rasoul, Mohamed Rasoulullah, notre prophète, Mohamed Rasoulullah, il est salat, il aidait sa femme. Il faisait le pain. C'est pas une honte. Il y a une chaîne. Je suis tombée sur une chaîne, je vais vous dire la vérité. Là, il n'y a pas longtemps, je voulais vous en parler en plus. Sur un compte Instagram hier. Et sur une chaîne avant-hier. C'est des Marocains, du bled. La chaîne YouTube, c'est un garçon. Il n'est pas marié. Et il vit avec ses frères, avec sa mère. Ils n'ont pas de femme dans la maison, à part leur mère, qui a un certain âge. Et il a créé une chaîne. Parce qu'il aide sa mère, parce qu'il cuisine, parce qu'il fait beaucoup de choses. Et les gens l'insultent. Allah, ça haram. Ils l'insultent parce qu'ils disent qu'il fait des choses de femme et qu'il... Voilà, vous comprenez le genre d'insultes, quoi. Qui peut recevoir une skin. Et à chaque vidéo, il doit se justifier maintenant. Je fais ça parce que ma mère est malade, elle est fatiguée, elle a un certain âge, il n'y a que des garçons, mes frères travaillent. Hein, il est plus jeune et c'est moi qui aide ma mère depuis tout le temps. Et c'est malheureux, wallah, franchement. Moi, je trouve pas qu'il a un côté féminin. Et même, il aide sa mère. C'est quoi le problème? Il n'a pas trouvé, je pense, de travail. Il a créé une chaîne. Il a vu que ça marchait. Mashallah, il marche. Il marche bien. Et voilà. Et maintenant, il est dans ça et il montre. La plupart du temps, il fait des recettes. Mais de temps en temps, il montre qu'il gifle, qu'il fait la serpillière, il fait le ménage, il lave les... Il fait un petit peu, voilà, ma routine ménage, etc. C'est quoi le mieux? Mais oui. Mon mari dit, c'est quoi le mieux? Est-ce qu'il fait comme ça ou est-ce qu'il va voler? Je sais pas. Hier, je suis tombée sur un compte Instagram. Un bel appartement, machin, là, et tout. Et il montre, il dit, voilà, le dimanche, qu'est-ce que je fais? Le dimanche, je nettoie tout. J'enlève le tapis, j'enlève ça, je fais le ménage. Voilà, le grand ménage de la semaine, quoi. Ils veulent quoi, en fait, les mecs verris, le... Je sais pas, des fois, on est dans un monde, voilà. Pourtant, les grands chefs, c'est bien des mecs, hein. Tu fais pas le ménage. Ils te disent, faut aider, faut faire... c'est quoi, ces machos? Ils font. Ben, les gens, ils sont pas contents. Je sais pas. Mais moi, bravo pour celui qui a la chaîne YouTube, là. Tu vois que là, elle est franchement, machallah, il te fait de ses trucs. Même une femme, elle fera pas aussi bien, je trouve. Il y a certains gâteaux, certains entremets qu'il fait, etc. Il te fait de ses recettes, mais un truc de fou, quoi. Wallah. Et wallah, il dit non, wallah, il dit non. C'est l'alarme du frigo. Faut critiquer à tout va, quoi. Voilà. Pour tout, tout le temps. C'est malheureux. T'aimes pas, bah tu zappes. Tu te désabonnes si t'étais abonné. Tu pars et puis c'est tout. Allez. Pas la peine de lui envoyer plein de choses mauvaises comme ça. Il y a la famille qui lit. C'est ça le truc. Il y a les parents, il y a les frères et sœurs. Quand tu il sera jugé pour par Dieu, bien sûr. Non, nous, on sait juste nous écrire en nous disant ça pour nous. Ce que tu fais, c'est pas bien, c'est péché, c'est haram, etc. Tu seras jugé. Ouais, mais ce que tu m'écris de mauvais, toi aussi, tu seras jugé pour. À savoir, en fait, c'est comme une sadaqa quand tu écris quelque chose de bon, de bien à une personne et que tu lui donnes le sourire. Tu lui donnes le sourire, tu la rends joyeuse. Et bien, c'est comme si c'était des hasanet, des bons points pour toi, en fait. C'est comme si c'était une sorte de sadaqa. Mais ça, les gens, ils ont du mal à... Non, juste de... La méchanceté gratuite, et puis voilà. Allah, il dit non. Allah, il dit non. Dieu nous guide, Inch'Allah. Tu le marches, ça? Ouais, si tu veux. Le maïs que j'avais acheté, oui. Le prêtre, ça? Ouais, allez, on continue.
Alors, j'étais vraiment déçue parce qu'au niveau des prix, et en plus, encore plus, parce que je les ai pris à grands frais. Voilà, je me suis dit, il y a de la bonne qualité là-bas. À manger en frais aussi, mais voilà, je me suis dit à grands frais un petit peu plus. Et au final, ben, les oignons, malgré que j'ai bien touché, vous savez, je vous dis de palper, que ça doit être bien, bien dur, les oignons. Et ben voilà, je me suis fait avoir. Les oignons étaient mouillés à l'intérieur, étaient un petit peu humides. Et comme vous avez pu le voir, il y en avait carrément qui étaient pourris, que j'ai dû jeter. Alors, j'ai mis dans ce petit panier parce que c'est là où je les mets, mais au final, je les ai transportés jusqu'au jardin en plein soleil. On les a mis à plat pour que le soleil tape en plein dedans. Et je peux vous dire que ça donne ensuite un très très bon résultat. Je vous le dis tout le temps, les oignons, l'ail, ça se met au soleil, en plein soleil. Et le bon couscous du vendredi. Non, c'est pas tout le temps. Là, on en avait envie et puis j'avais voilà fait le plein de légumes et de fruits comme vous avez pu le voir. Puis d'ailleurs, j'avais déjà des carottes. Je me suis dit, allez, on va faire un couscous très très rapide. Voilà. Et puis le lendemain, on est allé au lac. Voilà, je voulais partager c'est un petit peu avec vous, mais pas trop filmer pour bien en profiter aussi en famille, me relaxer. J'essaye d'aller mieux de plus en plus, petit à petit. Voilà. Je vous en parlerai en détail, Inch'Allah. En tout cas, merci, merci, merci infiniment du fond du cœur pour tous vos messages, même en privé. Merci infiniment. Merci pour votre soutien parce que franchement, vous me réconfortez, ça m'enlève un petit peu un poids en fait. Voilà, même un lourd poids plutôt. Et vous me donnez le sourire dans le cœur. Et ça, franchement, il n'y a pas de prix. Vraiment, il n'y a pas de prix. Merci du fond du cœur. Moi, je vous fais de gros bisous. À bientôt, Inch'Allah.